Salut à tous, on se retrouve pour la suite du championnat 1999, pas du tout, je crois qu'on est en 2000 de Formule 1 sur le jeu Formule 1 2000. On se retrouve donc en Angleterre pour la quatrième manche qui avait lieu le 21 et 23 avril à l'époque. Ils ont envie de changer ça. Et on va faire du coup une séance de qualification. Je vais quand même voir le car setup. Alors je pense que j'ai gardé à peu près la même chose. Je crois que c'est que des chicanes, alors peut-être que j'ai pas besoin d'avoir des gros ailerons. Mettre en lot. J'ai l'impression qu'elle manque de vitesse de voiture à chaque fois. On va garder les pneus soft. Medium, on va le laisser. Brake assist, toujours pas, bien sûr. Suspension, on va le laisser par défaut. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de réglages intéressants à faire. Et on est parti donc pour la séance de qualification. Quel driver, one super racing team, one de title, 66 points. J'irai Jacques Brabham. Yes. Moi, ce qui m'a aidé surtout, c'était le fait qu'ils disent qu'il avait aussi lancé son écurie. Alors, on va avancer le temps. Il fait pas très beau, apparemment. Marc Genet en pole position. Allez, on peut laisser comme ça. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Alors, j'ai peut-être un petit peu baissé le son du micro. Un décibel, ça devrait aller. Ça paraît trop fort non plus. Alors, c'est parti. On va faire Go Track. Ouais, speed to high, mais en même temps, on sait pas quelle est la limite. Donc, c'est difficile de faire beaucoup mieux que ça. Et donc on se retrouve sur le circuit d'Angleterre à Silverstone. L'ancien Silverstone évidemment, parce qu'on est toujours avant 2010 ou quoi. Je crois que c'était en 2010 ou 2011 que le circuit avait changé. Et là on va avoir 300 km/h de vitesse de pointe, ça me semble suffisant. Devant c'est Minardi. Oui, même avec pas beaucoup d'ailerons, ça passe largement. Hein. Je me demande vraiment à quoi ils servent ces ailerons. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Verstappen? Bah, qu'il ait un gosse et qu'il soit champion un jour. Alors, évidemment, on parle du père ici. On sort vite aussi le pilote Sauber à l'estande juste devant la Minardi. Allez, Magot, Beckett, Chapelle. J'ai fait un en avance, mais c'est pas grave. Et on s'est loupé en plus. Oh là 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 là, le carton avec la rose où j'ai pris un choc tellement élevé que ouais. Et du coup la voiture elle tourne. Ah oh, c'est pas le bon plan ça. Je dois rentrer. Malheureusement on va devoir retenter un flying lap du coup. Regardez la roue qui tourne même plus. On va faire un start premium directement.
Attendez, c'est-à-dire je peux pas retourner sur les pits? Je peux pas réparer? Je peux pas réparer même en séance d'essai là? Non. Ouais, ça a l'air mieux. Ça refait une lave, ouais, c'est bon. Ok, donc il faut vraiment changer les gommes pour que ça passe. C'est réaliste en fait, hein, mais m'attendez pas à ça. Allez, c'est parti pour un deuxième tour. Aussi, on va essayer de faire un bon chrono. On passe quasiment à fond dans le premier virage. Moi, je disais Maggots, Beckett. J'appelle, voilà. Et cette fois-ci, je l'ai mieux. Toujours aussi excellent ces virages à prendre en vrai. Enfin, en vrai. Pour les jeux récents. Ça a l'air couvert, je sais pas pendant quel temps on aura pour la course. Alors j'ai montré au début, apparemment ça sera légèrement couvert pareil pour la course. On le voit dans le tableau hein, avant de rentrer dans le jeu. Après c'est l'estimation, hein, ça veut dire qu'il pourrait pas pleuvoir. Pas non plus, prendre le virage à fond quand même pour pas exagérer. Et la ressortie, alors j'espère qu'on va faire un bon chrono. Là, c'était ma seule chance d'en faire un. Ouais, faut 4 dixièmes, hein. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Bonne position. On va retourner au stand. Et du coup, on va mettre fin à la séance de qualification. Et on va donc démarrer la course. Position is Schumacher. Barrichello takes fifth. Frentzen gets sixth place. Schumacher takes seventh. In eighth, Diniz. Irvine sits in ninth. Fisichella will start tenth. Verstappen is 11th. 12th place for Zarlo. In 13th place we see Thielmann. 14th place is De La Rosa. Herbert starts in 15th. 16th position for Button. 17th for Wurz. Zonta got 18th. Genet is going 19th. Allez, pour celui-là, Nick se partage toujours les deux en ligne. Ça ne change pas. Encore mauvais départ, la McLaren qui me dépasse dès le début. Et il y en a même l'autre McLaren qui vient me dépasser. Non, c'est bon. Oh, j'ai insisté sur l'extérieur. On va voir la meilleure vitesse, d'entrée. Il va avoir l'aspiration. Et ouais, c'est pour ça, hein. Et on s'est touché. Oh non! Il m'a détruit l'arrière! Il m'a détruit l'arrière! Oh non! C'est l'abandon du coup. Bon, bah du coup, un replay, bah voilà, c'est l'abandon, magnifique. On remerciera le pilote McLaren de nous avoir ruiné notre course. Ah, il m'a tué là, il m'a tué complètement.
Häkkinen qui va s'imposer, Schumacher 2ème, 3ème Coulthard, 4ème Barrichello, Franzen 5, Schumacher 6, enfin il ne marque pas de points, donc mon Kepi marque 2 points, donc ça nous sauve un petit peu au niveau constructeur. 8ème Dini, c'est pas trop mal, physique est à 9, je t'ai pas de fini 11ème. Ah, par contre ça fait mal au championnat pilote là, hein, de se faire sortir comme ça, du coup on est à 5 points de retard sur Schumacher, 2 points de retard sur Häkkinen. 5 points d'avance encore sur Coulthard. Franzen a marqué 5 points pour le moment. Championnat constructeur, ça fait encore plus mal, là, des 25 points. McLaren 37 points est en tête du championnat. Ferrari 2ème. Jaguar 4 points. Williams 3. Maiden Playlife 6. bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va continuer. On va faire la course suivante directement. Comme ça, au moins, on ne va pas une minute 10 minutes pour rien. On va continuer à tenter de faire l'Espagne. Bon, il devrait faire beau. Je vais garder mon même setup pour faire la qualification. Et on va démarrer. Donc, quelle année sont... a fait ses débuts de la Rosa 199. Allez, on va faire avancer le temps pareil. Vous avez vu les aléas du direct, hein, bonbon. On a le même problème à Melbourne. Allez, go track. Je pense qu'on peut le prendre à fond, non? Enfin, il me dit pas que j'ai été trop rapide. C'est parti du coup bah, pour le Grand Prix d'Espagne. C'est dommage, hein, parce que le Grand Prix d'Angleterre, là, on aurait pu faire un truc, un bon résultat. Bon, peut-être pas premier, mais... On aurait pu terminer peut-être dans le top 3. Ça aurait été beaucoup mieux que de se retrouver à abandon. Les voitures sont très très fragiles, hein, vous remarquerez. Ça va très vite les abandons. Surtout quand on est touché vers l'arrière. Il a perdu le train arrière. Ouh, j'ai cru que je m'étais pris le mur. Oh, c'était limite. Hein. Allez, c'est parti pour le premier tour lancé. La vitesse de pointe de l'espace, en tout cas par rapport à l'IA, j'ai l'impression. Ah, elle tient bien le pavé la voiture quand même, hein. Rien à dire. Attention à la glissade, on va accélérer devant la Williams BMW. Évidemment, vous qui allez voir la vidéo, si vous voyez évidemment deux chiffres de Grand Prix en une seule vidéo, vous aurez compris que ça serait mal passé soit au premier, soit au second. Oh là 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 là. Oh, le trafic, ça c'est pas bon, hein. Je perds beaucoup de temps du coup. Bon, j'ai réussi à passer, hein, mais... Deuxième tour chrono pour essayer de faire mieux. J'espère ne pas avoir de trafic devant nous. Et aussi que j'arrive à bien démarrer. Hein. Je crois que je perds beaucoup de temps à cause de ça. En retard dans le premier secteur d'un dixième. Je pense que je suis mieux ressorti dans ce virage-là. Et il mature devant.
Bon, bah, désolé la Sauber, hein. Ouais, on va aller dans le virage, c'est bon, il rentre au stand, j'ai de la chance. J'ai pu prendre le virage à fond. Et sur la ligne d'arrivée, je pense qu'on va faire un peu mieux. 8 dixièmes de mieux. Allez, retournez vite. On va faire end qualifying. Je pense qu'on prend la pole. Je pense qu'on prend la pole, on va faire start race. Ah ouais, belle position, hein. Une seconde d'avance sur Barrichello. Oh, Zonta 5ème sur la BR, pas mal. Bon résultat. Diniz aussi, 6ème. Très très loin, Schumacher, allez 10ème, bravo. Bon résultat, Verstappen 11ème c'est bien aussi, ils font 12. Et du coup, c'est... Oh, c'est mon équipier qui est parti en dernier, ça c'est pas bon, hein. Ralf Schumacher 21ème aussi. Ils ont vraiment dû se louper, les deux, là. Allez, c'est parti. Ouais, bon départ, on va essayer de se décaler dès le départ. Et je tirais tout droit. Et puis le Jordan qui coupe. Et ouais, malheureusement, je tirais tout droit hein, sur la première chicane. Il récupère une position sur la McLaren. On est en vitesse pure, on est beaucoup plus rapide qu'eux. Par contre, en course, à voir hein, maintenant. Ouais, pas mal, on va pouvoir passer. Je me recale devant. Oh, le drift! Ça va être juste. Mais c'est bon, on est passé. Enfin, je pense. Dans la ligne droite, maintenant avec les Ferrari. Je sais pas si c'est Barrichello. Ça doit être Barrichello, parce que je m'en aurais parti très loin. Ouais, l'aspiration. Et c'est bon, c'est parfait. Attention, Barrichello qui va reprendre. Oui, donc il parle justement de la sortie d'air au-dessus du pilote qui est très angulaire, effectivement, sur la Jordan de 2000. Qui donne un look assez spécifique, mais ils vont pas le conserver ça ensuite. Hein. Ils vont le conserver, je crois, encore en 2001, mais c'est tout. La Jordan 2000 qui a quand même pas mal de particularités, même au niveau du nez, au-dessus du nez. C'est à moitié plongeant, c'était un peu particulier. Allez, va aller plus vite que moi, on va accélérer. Allez, l'aspiration sur le pit Schumacher, sur le pit Ferrari, je vais y arriver. 305. Oh, la vitesse de pointe de la Ferrari, c'est indécent, quoi. Ils ont qui replongé en 11ème place. Year, Mika Hakkinen secured his second successive world championship.
At the moment, the Finn is just unstoppable. There it is. Il faut que je m'éloigne là, il faut absolument que j'aille passer le leader parce que sinon, pas trop de temps. Passer dans l'herbe, pas dans l'herbe, dans le gravier. Yano Trulli leads the pack. The Jordan looks impressive. Voilà, il est repassé, bien joué. Oh là là, regardez-moi ça. C'est une fusée. C'est une fusée là, Barrichello. Il est à 6 secondes, plus tard, en 27. J'ai même pas vu le 5ème et 6ème. Schumacher, physique. Schumacher est déjà remonté. Hein. Et voilà, on a eu l'accrochage, malheureusement. Je crois que Barrichello, je l'ai. Il peut autant tuer là. On a l'aileron avant qui est légèrement endommagé sur le côté. On s'arrêtera à peu près au 6ème tour, je pense. Ah, j'ai essayé de passer à l'intérieur, mais il a vraiment insisté. Et puis moi, je peux pas non plus avoir un grip infini. Heureusement pour moi, ça se passe mieux que lui. Kinen, Coulthard, Schumacher, Irvine, Barrichello, 6ème hein, Barrichello. Tant qu'il revienne sur la piste, ouais, il a perdu beaucoup de temps. Mais il est juste derrière le pilote Jaguar. J'ai pas regardé combien il était Frenzen, je crois qu'il est même pas dans le top 15. C'est-à-dire qu'on se bat contre deux équipes, on se bat contre Ferrari et McLaren. Et du coup, bon, ça leur partage les points, heureusement. Mais il suffit qu'il y ait une des deux équipes qui soit deux fois devant pour annuler les points que l'on récupère là. Par exemple, s'ils terminent deuxième et troisième, ils auront 10 points en tout. Et moi, j'aurais 10 points avec la victoire, donc si Frenzen ne m'aide pas, on pourra jamais rien faire. Je pense qu'on va s'arrêter au stand à ce tour-là. 6 secondes 2, 6 secondes 6, je suis mort à 9 secondes, il est à 7. Le Irvine, Barrichello a repris une place sur Irvine. Ah, c'est le moment hein, de rentrer au stand, on perd beaucoup de rythme maintenant. L'avantage c'est que je suis seul en piste, donc ça me permet d'avoir une piste claire. Alors on va rentrer au puits maintenant. Bon, c'est 100 km/h avec ce mec-ci, voilà. Oh,
Ouais, j'ai perdu énormément de temps. Pedro Denit gets away again. He's got a lot of work to do. He rejoins in 17th. Alors, j'ai eu un appel, m'appelle. Voilà, de retour. Désolé pour l'interlude. En plus, c'était intéressant, ça parlait de la ligne internet. Justement. Je précise quand même que les vidéos WarD là ont été enregistrées avant. Hein. Tant que l'upload est encore bon. Voilà, pour éviter de mettre des heures quand tu auras eu le changement. Le retour à la DSL. Donc je disais, oui, je suis reparti 7ème. J'ai fait un arrêt super long, hein, du coup, à cause du changement de gomme. Mais bon, je vais être beaucoup plus rapide maintenant. Voilà, juste que je fasse pas de bêtises. Devant, c'est Franzen, justement. C'est mon équipier. C'est là où ça me fait peur, en fait. Parce qu'ils vont être un peu lents. Et il va falloir que je puisse dépasser. Ouais, c'est bon, on va essayer de le passer. Devant, ça rentre, c'est parfait. Et un petit peu de drink pour le moteur. Et on repart en tête, ça va, on n'a pas trop perdu de temps. Ils ont tac, ils plongent en 16ème position. Même allez-y, hein, 20ème. Gets away again. He's got a lot of work to do. It looks like he's down to 10. Ouais, 10ème, Franzen. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on est en tête, c'est le principal, de toute façon. Parce que même si on gagne pas le titre constructeur, moi je joue au moins le titre pilote. Donc, dans tous les cas, c'est pas trop grave. Pas le... It looks like he's down to 19. Coulthard should take 6 points here. Allez, plus que 2 tours à faire. The penultimate lap. Yano truly is doing well. En 2000, il y avait eu, je me souviens, la bataille dans le dernier secteur entre Ralf Schumacher, Barrichello et Schumacher, justement. La bataille à 3 pour la position. Et je crois que c'était Barrichello qui avait fait une super dépassement, ou Schumacher, je sais plus. Mais McLaren avait largement dominé. Et ça fait qu'il s'y est bien, McLaren, hein, pendant 98 et... Et 2001. Même sur 2001, vous savez tous, l'abandon à Kinen dans le dernier tour. Mais sans la victoire à Schumacher. On parle de moi, alors on parle de Trulli. Allez, dernier tour. Je me demande s'ils n'ont pas réparé les ailerons au stand d'ailleurs au passage. Look at Pedro de la Rosa. He's in for fresh tires and a little drink for the engine. En tout cas, j'ai jamais vu autant de commentaires aussi exhaustifs en fait dans un jeu de F1. Je sais que les E 97 étaient pas mal, mais alors là, 2000, c'est encore plus. Il y a encore beaucoup plus. Entre l'explication, ce qui se passe en course, et chaque pilote hein, sur la piste, et les informations qu'on nous donne un petit peu sur chaque pilote.
enfin, sur leur histoire ou les équipes, c'est quand même pas mal, hein, c'est un bon point. Et je trouve d'ailleurs la Formule 1 2000 meilleure que le 99, hein, largement. On voit qu'on est resté sur le même hauteur de jeu en tout cas. Mais bon, c'est ça, score pour les players, hein, c'est plutôt joli. Mais... driver who's made the move up from Formula 3. Williams will be hoping the BMW engines can push them back to the levels of success they enjoyed a few years ago. Jarno Trulli won by an incredible margin. He's won it, and there was no question about him winning it, except from his competitors. Ah là là. Allez, belle victoire, c'est bon, ça a rattrapé un petit peu sur le... Voilà l'échec du Grand Prix d'Angleterre. Alors, au niveau des chronos, on va voir, on a fait donc bah, le meilleur chrono absolu. En tout cas, du circuit. On a fini à 8 secondes devant Coulthard, 19 devant Kilo, 20 devant Kinen, Schumacher finit 5ème, 21, Irvine marque encore un point pour Jaguar. Décidément, il s'en sort bien alors, Irvine. Benzen est bien remonté quand même. 9ème. Mais il finit très loin, hein. 43 secondes, 18. Bon, y a pas trop de surprises dans le top 6, hein, à part Irvine. Ça galère nettement, hein, hormis nous et Ferrari McLaren. Et donc, pour le coup, on reprend la tête du championnat pour 3 petits points devant Michael Schumacher. Hakkinen est à 25 points. Coulthard 21, Barrichello 12. Benzen 5 points, Irvine 5 points, donc il se retrouve du coup ex-aequo avec le pilote Jordan. 3 points pour Ralf Schumacher, 2 pour Fisichella. Championnat constructeur, c'est toujours McLaren, hein, qui a le lead. Vous savez que j'ai sorti une Ferrari, hein, ça n'a pas aidé. 46 points, 39 points pour Ferrari, donc 7 petits points d'écart, mais ça reste 7 points quand même. Et nous, on est 3ème à 4 longueurs de Ferrari. Jaguar est 4ème au championnat pour 5 points. Devant Williams avec 3 points, Benetton 6ème, et toujours Prost, Sauber, Arrows, Minardi et BR qui n'ont pas scoré de points. Et on se retrouve pour la prochaine fois sur le Grand Prix du Nürburgring, le Grand Prix d'Europe. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde!